Oula, il est en colère. Un peu là, je. Je vois. Eh bien écoutez, salut à vous toutes et tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Call of the Sheep en compagnie de Pépé. Comment vas-tu, Pépé? Impeccable Francisette. Impeccable, Francis. Impeccable. Alors, merci Pépé, parce que regardez, alors, il a Et tryhardé puis la la map durée est dure. Hein. directement. Regardez, la map, elle est complètement, on peut voyager où on veut, quoi. Je sais Puis pas il a si. fait 3 heures de 3 heures de déblocage de map. Bah, le temps que j'ai fait la vidéo, Pépé il était pas là, du coup je l'avais pas vu, il était en bas là-bas et bah, il m'a passé la sauvegarde et bah, voilà. De toute la map, car t'as bien travaillé Pépé, je suis fier de toi, putain, je suis fier de toi. Et je vais Je peut-être sais, prendre un petit Francis. pistolet comme ça, assez puissant, au cas où il veut nous charger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Une seule balle aussi, celui-là. Oui, mais c'est une seule balle costaud, je suppose que c'est un Ah KDOE. bah, il tire des balles de fusil. C'est simple. Ok, bah, je m'équipe de ça et on se retrouve tout de suite, les gens, sur la nouvelle map qui s'appelle, Pépé va nous le dire de suite, bien sûr. Punaise. J'en sais rien, moi, comment elle s'appelle. Tu m'étonnes, bah allez. Sundarpatan. Réserve de chasse de Sundarpatan. Créé par des Spartans. Allez, c'est parti. Ils sont juste Bon, en dessous. Là. bah voilà. Alors, avec ça, on va chasser. Donc, c'est moi, j'ai une balle ici. Et ça également, c'est un fusil, une carabine, pardon. À une balle. Et donc on va faire buffle et tigre du Bengale. Alors à savoir qui répond à la peau des fans en difficulté, c'est ça? C'est ça, fin en difficulté. Vas-y. Donc là il est 7h et quelques du matin. Et si on s'est chargé, par contre on prend le pistolet pépé. Hein. Oui, t'inquiète, Francis. Il est beau ce pétard éclaté là. Ah oui, je les prends souvent, moi j'aime Et bien. il fait du 4 à 9 à celui-ci. Hein. Ouais. On va aller un peu plus sur la gauche, après près du lac, il y a des tigrous. Vas-y. Ouais, parce que Ils Pépé, croient. malheureusement, il n'a rien tiré du tout parce qu'il a fait que le quad. Comme je vous dis, il a fait toute la map, le Pépé. Hein. Ah, j'ai quand même deux petites taches, mais je crois que j'ai shooté Oui, une sorte de yak les nœuds et un buff qui vraiment cherchait la merde. Il bloquait la route. C'était solution, moi. c'était vrai. Voilà. Ouais, ils étaient là, les buffliers, là. Les bufflions. Ouais, il y en avait partout, là. Là, faudrait débloquer les zones. Je l'ai pas du tout fait, quoi. Et ça, c'est bien après d'avoir les petits repères. Hein. Ouais. Après, je C'est sais le pas où mieux. ils sont partis. Bon, on va avancer, on verra bien. Ça grogne vers moi. Faut que tu mettes une Ah, tente le parce que sien je est suis à loin. moi. Je suis loin. Je suis vraiment très loin. Attends un peu. Tu vois ma position où je suis? Oui. Attends, je crois que c'est trop tard. J'en ai collé une. Il est agressif, il va me buter. Regarde où j'étais, hein. T'as regardé où j'étais? Ouais, t'inquiète, j'ai le marqueur. Ok, c'est un. Bah, il m'a buté. Mets-moi une tente, s'il te plaît. Ouais, je vois l'impact sur la carte. Et tu vois, j'étais dans les hautes herbes. J'avais aucune trace. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu. J'ai entendu son bruit et terminé pour moi. En même temps, là, on a pris la zone, oui. Donc, c'est ça qui est bien, les gens, c'est que vous pouvez, comment dire, les chasser. Mais il faut savoir que vous aussi, en fait, vous êtes chassé. C'est dans telle direction? Ouais, c'est dans cette direction. Ok. Et c'était un set très difficile, un beau mal. Et tu vois, c'est quelqu'un qui m'avait averti, puis j'ai entendu un grognement, puis après. Et après, bah. Hasta luego, Francis, que je me suis fait niquer encore, hein. Ben, Sa gueule, sa gueule. oh. C'est devant? Je sais pas, j'ai un doute. Vas-y, dos à dos. Il est Là. là. Vas-y, feu. Allez, Bien dodo. joué, allez, dodo avec les doudou bites. Dodo avec les doudou bites. T'as voulu nous la refaire? Alors, en or, un set très difficile. Donc, t'as fait cher poumon gauche, poumon droit. Et je lui ai fait cher omoplate droit,
vertèbre thoracique. On l'a, Ergo. celui-là, on l'a défoncé. Bien joué, Pépé. Tu veux un paillou ou pas? Au cas où. Ouais, vas-y, je prends. Allez, et porte-toi, il en a. Magnifique. Attends, je vais Je prendre une petite prends. photo. Quoique, si on peut enlever l'herbe, je vais prendre une photo, Pépé. Bah, si tu veux une photo, vas-y. Et on Ah, peut j'ai pas? bien aimé le petit bruit là avant. Ouais, mais on peut pas l'enlever l'herbe. Vas-y, ramasse-le, va. J'en prendrai un autre. Empaillé. Allez, hop. Bon, du coup. T'as vu? Alors qu'on savait pas qu'il était là, il n'y a pas de, de truc où il bouffe, hein. Ah, c'était bien, Si. j'avoue. J'avoue. T'as vu, c'est vraiment bien foutu, hein. J'avoue parce que tu cherches en effet où il est. Mais sauf que c'est lui qui le cherche. Ouais. Tu es son Là, prédateur. ça va qu'on est deux, donc Enfin, c'est vrai c'est qu'on a toi. regardé en deux directions différentes. Et puis il s'est pris deux balles d'un coup, hein. T'as toujours ma position où je suis mort? Oui, elle est à 200 mètres de là, par là-bas, tout droit. Ok, vas-y. Il s'est peut-être sauvé avec le bruit, hein. Bah, de toute façon, je vais tirer dessus, je dois être mort. Ah, non, Non, puis non, un c'est un. Je crois Barasinga. que c'est sa catégorie 6, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire que. Barasinga? Ouais, c'est catégorie 6, ce machin. Il était juste à côté. Mais c'est beau, hein. T'as vu sur les arbres? Il y a quelques réals ici. Ouais, ça c'est pas mal, mais je te dis, quand vraiment t'es en forêt, des fois, t'as des gros arbres très racinaires avec des racines qui plongent un peu des branches. Et ça, t'as pas du tout. J'écoute des fois s'il n'y a pas des. 138 mètres. Bon. On fera pister les chiens, puis ils vont le trouver. Hein. Et quand tu meurs, tu vois qu'ils te bouffent après sur la caméra où t'es mort. C'est dégueulasse. Bah non, c'est bon ça. C'est ça qui est bon. C'est toujours tout droit? Ah oui, on arrive au rond là. On arrive à là où je suis mort À à Pépé. 87 mètres. Là. Ok, bon, bah, on va avancer un peu. Bah, écoutez, les zones, on est arrivé sur la. Les gens, on est arrivé sur la zone, mais. Pas une trace de patte, et apparemment, le chien ne trouve pas de trace de sang. Et pourtant sur la carte, tu l'as bien touché. Ben oui, sur la carte. C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Mais est-ce que quand tu meurs, en fait, ça enlève pas tout? Je commence à me poser la question parce que. C'était quoi ça? J'ai eu la même chose sur, ben, sur la vidéo que j'ai faite précédemment. Il y en avait un que D'accord. j'avais buté, mais c'était impossible de trouver quelque chose en fait. Donc, mais pourtant, je l'ai bien touché. C'est possible. Ah, mais c'est sûr même. Il n'y a pas de sang, il n'y a que dalle. Ouais, bah écoutez, tant pis, peut-être qu'on trouvera un mort plus loin ou un autre qui va essayer de nous charger. En fait, j'ai l'impression qu'avec l'animation, tu sais, quand il te mange. Quand il te bute, il te mange. Allez, regagne peut-être de la vie, hein. Hein? Regagne peut-être de la vie le fait de te bouffer. Ouais, c'est fort possible. Je sais pas s'ils ont mis ce truc en place, mais. T'as vu, il n'y a pas de traces. Et ce qui aurait été bien, c'est qu'en fait, ils mettent une carcasse. Du coup, tu Oui, sais tu que. retrouves ton squelette. Ben voilà. Pas Enfin, tu terrible. sais. T'as vu quoi? Je dis, ça aurait été rigolo. Ouais, j'avoue. Non, bah là, je me fais la vallée de la mort. Là, il y a des herbes partout, donc On va voir. Il y a un 200 mètres. miaou. Cri Il y a un d'accouplement. miaou. Oui, cri d'accouplement, il a fait. J'arrive. On va avancer mollo, hein. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il peut nous prendre en chasse, en fait. Et là, ah non, c'est un lapin. Tire pas les lapins, Francis, hein. En plus, ceux-là, c'est des lapins, je sais pas quoi, là. Des lapins antilopes, non. Lapin laineux. Et oui, c'est des laineux, ceux-là. Ils sont mignons. Elle est où? Je le vois pas. T'inquiète. Et des fois, tu vas voir, tu entends leur cri d'avertissement. Et quand ils vont te renifler, si tu n'as pas mis ton spray, ben, tu vois qu'ils vont arriver vers toi tout doucement. Pas en rampant, mais en mode attaque, tu vois ce que je veux dire? Oh. Quoi? Non, c'est encore punaise, c'est putain de lapin. Mets-toi accroupi, pépère. Parce qu'ils t'entendent mieux. Ils sont Et pas. s'ils viennent m'attaquer, moi ça me bat, hein. Ça me fait moins marcher, hein. Ouais, s'il fuit, par contre, ça va nous faire marcher plus longtemps. Mais là, il fuit pas, hein. Là, non, mais je C'est nous dis. la proie.
On va le trouver. Vous savez comment que c'est beau là dans le bois, avec la lumière et tout sur le feuillage. C'est C'est pas mal, juste c'est pas mal. magnifique. Oh putain. Cri d'accouplement 100 mètres. Je le vois, je peux l'enculer. T'es prêt? Ouais, 3, 3, 2, 2, 1. 1, 2. On l'a eu tous les deux. Il faut tuer un coup de, tu sais, de vieux fusil là. Ah non, c'est pas la bonne, c'est pas le bon calibre. C'est pas grave, on s'en fout. Rappelle-toi qu'il encule tout ce fusil-là. Pour moi, attends, hein, ça arrête des. Ça Bah arrête les oui, bisons, regarde, ça il y a une arrête zone un de bouffe tigre. ici, tiens, on va la prendre. Il y a une zone là? Ouais, là, je viens de la prendre. Du coup, il est parti où là en fait? Trouvé. Vers la droite. Et ouais, mais. Moi, je vois pas de zone. Ah, si, oui, aussi, ok. Et le sein, il s'est barré où? Est-ce qu'on l'a touché? Bah oui, quand même. Oui, je le vois. Où? Là, à 36 mètres par là. Je vais changer d'arme, je vais prendre mon Attends, pistolet. faut que Ouais, je la trouve flèche les. de sang est là. Ah oui. 25-50. C'est bon, il est mort. Ah. Regardez si cette fois-ci je peux prendre un petit screen. Et tu Mais vas fais pouvoir gaffe parce prendre. que des fois. Ah ouais, bah là oui, je vais pouvoir. Ouais. C'est joli. Attends, je regarde juste vite fait. Cher intestin et poumon gauche, foie. Tu sais que c'est mon pistolet qui est une catégorie 8 qui fait le plus mal, hein? J'ai mis 80% des dégâts, c'est avec mon deuxième tir. Vas-y, je te couvre. Cover me, man. Il est beau, hein? T'as vu? Tu vois? Ouais, c'est pas mal fait, hein? J'ai fait cher intestin. Putain, ouais, le pistolet. Ah ouais, mais à partir du moment où c'est une arme qui est bonne, en fait, ça fonctionne quand même. Voilà, Parce tu que vois. vu que t'es en catégorie 8, toi, regarde, ça me dit pas que l'arme. Mais ben, c'est bizarre, ça. Ça a changé? Peut-être. Bah ouais, parce qu'avant c'était pas comme ça. Vas-y, ramasse-le si tu le veux. Non, tu veux pas? Non, vas-y. On en fera des plus gros. Allez, c'est reparti. En route, mauvaise troupe. Je Alors tire oui, une en hop. effet, j'avais vu une espèce de mode neige. Alors est-ce que ça. Mais il paraît qu'il y en a un autre, il paraît qu'il y a le tigre des neiges, non? C'est une Non, il y a connerie. le léopard des neiges. Le Ou panthère des léopard. neiges. Panthère des neiges? Ouais. Et ça, faudra qu'on voit plus tard parce que là, on doit pas être dans la zone. Hein. Non, va falloir prendre un peu d'altitude. Ouais, ça, on fera ça sur la prochaine vidéo. Du coup, la panthère des neiges. Ça peut être très très intéressant. Ça va être intéressant. Une panthère des neiges. Je sais plus si léopard ou panthère des neiges. Je sais pas, c'est un truc dans le genre. Mais on verra ça. Oh putain, lui, il est agressif par contre. C'est dedans. Bon, on veut faire que du tigre les gens, mais bon. Est-ce qu'ils y étaient là, les trucs qu'ils ont là, sur les oreilles? Regarde. Je te dis, c'est une nouvelle variété. Ah bon? Ouais, c'est du buffle des marais. C'est de Il la aboie le bête, hein, chien, pas il qu'une aboie. tonne. Il se barre là. Oh putain. Ah mais il s'en va, il va tomber là, il tombe. On a tiré trop de balles dessus, mais bon, ça passe. Attends, je trouve encore un truc bizarre là. On a tiré trois fois dessus, ça me dit pas qu'on a tiré plus. Mais c'est bugué. Toi, tu tires pas avec la bonne arme, il me dit que le score est bon. Et là, on a tiré trois fois. Et bah, ça me dit qu'il a un argent et que tout est bon. Ah merde, putain, je l'ai emballé le Ouais, mien. j'ai vu ça, le traître. Mais t'as C'était vu? un or. Et on a tiré plus de 3 balles? Hein? Oui, il y avait 3 balles dedans. Et voilà, et tu vois, et. Attends, c'est quoi qui a gueulé? Ouais, je sais pas. Continuons, continuons, continuons. Toi, t'es encore chargé par un. Eh, mais je me fais soulever! Mais je t'ai dit qu'ils sont super nerveux ceux-là. C'est quoi qui t'attaque? Je sais pas, mais c'était un buff.
Oui, je t'ai dit qu'ils étaient super nerveux. Ouais, comme un bâtard, j'ai pas pris ma trousse de secours. En cover me, je vais regarder la bête. Il est là! Ouais, mais Putain! c'est. Putain, y'en a un deuxième! Ils sont trop nombreux, Francis! Oh putain, c'est quoi cette map de psychopathe? Ça m'éclate! C'est Ah, je suis mort, je suis dingue! mort, je suis mort. Lui, il me bouffera pas, par contre. De Zeus! Non, de Zeus. Pépé, il s'est encore fait charger le temps que je suis mort, il s'est fait charger une ou deux fois encore. Regarde pas les traces de sang, c'est dégueulasse. Bladin. Tu vois, on a tiré plus de trois fois, mais on a un argent quand même. Il aboie le chien! Mais non, mais il y en a un autre! Putain de ça! Mais c'est un truc de ouf! Alors tu aimes pas ces bûches des marais là? Regarde-moi, j'adore ça moi. Ils sont vénères. Hein. Mais ils sont cinglés. What the fuck, et puis il lâche pas l'affaire. Heureusement qu'il y a les chiens, qu'il y a les chiens qui aboient parce que. Ça fait baiser la gueule. Ah ouais, tu vois, là, sa mis à animal a battu à plus de deux tiers. Bon. Ah bah ouais, il lui en a mis en même temps. Ah, j'ai compris, je crois que maintenant, si tu fais la chair, ça ne compte pas. Ah, d'accord, ok. Oui. Parce que la troisième balle, c'était autre que la chair. Et tout ce qui est chair, apparemment, ça compte plus en. Bon, elle va. Waouh, qu'est-ce qu'elle a dérouillé là. On n'a pas le choix, les gars, c'est pour se défendre, là, vraiment. Là. Putain, il était gros, lui. 3. Ok. Par contre, je vais mettre comment, la tente et je vais prendre une trousse de secours, moi. Attends, attends, Pépé, je crois que je tiens une belle bête là. Ça. C'est un buffle des marais qui fait entre 1 tonne 67 et 1 tonne 250. Oh, ça c'est un diamant. Il y a moyen, ouais. J'arrive, je suis. Il était passé à côté de nous, ce con. Il était passé par là. Mais ça dépend parce que j'ai vu des fraîches. J'ai vu des femelles qui étaient, qui faisaient 1 tonne et quelques, donc je sais pas s'il n'y a pas des problèmes avec les poids. Putain, c'est ton chien qui est arrivé comme ça, je me suis dit, ça y est, je vais me faire ramasser par un. Ah, par contre, je vois plus où il est. Attends un peu. Lui, c'est un set très difficile, donc imagine celui de 1 tonne et quelques à 1 tonne. Ça devait être peut-être un 9 légendaire ou un gros 8 mythique, je sais pas. Mais malheureusement, les gens, les traces. Bah, se sont arrêtés net et on les retrouve plus. Bref, nous allons continuer notre session de pêche. Ok, les gens. Donc, J'ai les traces. tu me fais peur, J'ai les ouais, traces. psychopathe. Trace de la bête, là. Yes, un poil dans le cul. Il était au pas. Est-ce que tu. Par contre, si on le voit. Et qui ne bouge pas, qui nous a pas repéré, tu pourrais essayer de l'appeler? J'essaierai. Voir s'il avance. Mais j'espère que c'est pas lui pour finir qui veut nous prendre en chasse, tu vois. On verra, hein. Vu comment je suis armé, il me fait pas peur. Hein. Il est toujours au pas? Ouais, il est au pas, ouais. On va juste regarder si c'est frais, ça, à mon avis c'est pas frais. Pêche. Ah, il est pas loin. Il est pas loin. Il est au trot. En même temps, les gens, vous voyez la map un peu. Une partie, puis c'est toute une partie montagne aussi. Hein. Oui. Fraîche l'herbe. Donc il est vraiment devant nous et j'ai l'impression qu'il y a des hautes herbes. Il est parti pour nous chasser. Ouais. C'était lui ça? Non, c'est un buffle ça. Tu veux que je l'appelle? Vas-y, essaye. On va se mettre accroupi puis on va avancer doucement les gens et puis on va voir ce que c'est. Oh, il est là. Eagle, Eagle. Il est là. Appelle-le. Il est défensif.
Ah, il va nous Il faut attaquer, hein. tirer. Je l'appelle? Là, Ah, il nous attaque! Ah, mais j'ai pas le temps de l'appeler! Ah, je l'ai loupé. On aurait dû lui baiser la tronche. Attends. Il tombe, Tiens, il tombe, il tombe, voilà. Il tombe, il tombe, il tombe. Là, je vais te dire, avec ce qu'il a mangé là. C'est ici 0,25, dodo. 0,25 et dodo avec les deux de bits. Ouais, mais il nous a vu avant, t'as vu? Ah oui, c'est vrai qu'il nous voyait avant. Ouais. On n'a pas eu du bois là. J'aime quand tu dis tu veux que je l'appelle. Bah, quand j'ai voulu l'appeler, il était en train de nous regarder d'un mauvais oeil donc. C'est l'avertissement, ça y est, on va se faire charger maintenant par un bordel là, tu vois. Un peu. Animal abattu à plus de tirs. Ah oui. Ah merde, j'ai tiré deux fois. Bah c'était un dérisoire de toute façon donc c'est pas grave. C'est pas grave, allez dégage. Bon, on va en retrouver Zunote. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué une chose. Quand tu as une bestiole qui est, comment dire, à peu près à max 100 mètres de toi, le chien se met à couiner. Mais t'as vu que quand c'est un tigre, il ne couine pas. Comme s'il le voyait pas. Était le maître. Hein? J'ai compris qui était le maître. Ah ouais. Il aboie juste quand tu vas te faire éclater. Donc là, les gens s'est séparés parce qu'on cherche un peu... Le truc qu'il y a sur ce genre de bestioles, les gens, c'est qu'on trouve pas de traces spécifiques comme là, par exemple. Voilà, on n'en trouvera pas, faut vraiment trouver une zone de bouffe ou un truc, sinon on dirait qu'il laisse pas de traces, c'est vraiment bizarre. C'est chelou quoi. Ah, tu vois, je suis pourtant près de l'eau et forcément ils vont boire quelque part quand même. Ouais, pas mais je de... sais pas du tout les heures. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, je vois ce que tu veux. Non, mais j'aurais au moins trouvé des zones de traces de pattes. J'ai pas. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Il y en a là-bas. De quoi? Des traces dans l'eau, mais attends, je vais voir, faut pas s'exciter, hein. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, hein. Fais, Francis, fais. On voit pas. On voit pas. Ils ont disparu. Ah, ils ont disparu. Ah. Pourtant, j'en avais noté une. Eh oui, mais pareil. Mais les zones de bouffe, les gens, on a l'impression qu'en fait, ils voyaient, on a eu beau en... On a que les buffles démarrés, tout ça, c'est comme si un petit peu bah, le tigre il n'avait pas une zone bah, spécifique en fait, parce que. Ouais, on n'en trouve pas. Vous voyez, pourtant tout à l'heure on a ramassé les carcasses, mais. Ouais. Ce, non, ce n'est pas un, le lièvre. Non, non. Il n'y a pas de zone de bouffe pour lui pour l'instant. Je pense qu'il devrait y avoir un petit correctif. Hein. Magnifique. C'est magnifique. Bon, les gens, j'ai mis une tente pour Pépé parce que j'ai trouvé les traces. Par contre, il faut vraiment les trouver. Hein. C'est. Apparemment, il est au pas, mais s'il faut, il va être dans les broussailles devant nous, le con. Galop, moi, je vois. Hein? Moi, je voyais Galop sur les dernières pattes. Hein. Ah bon? Moi, je vois au pas. Là, Galop. Moi je le vois toujours ou pas. Fraîche. Il doit pas être loin. Tu veux essayer de l'appeler? Vas-y. Vas-y. Bouge pas. Je regarde qu'il soit toujours ou pas. Et on va voir s'il va répondre. Il a répondu. Il répond. Il a répondu, très bien. On peut avancer un peu, il est en j'arrive. 160. J'espère qu'il n'y en a pas un deuxième qui va sortir de chez. Pas bouger là, on est bien là. C'est ouvert. Ouais, mais 160 mètres, c'est loin là. Il va venir. Okay. Il a répondu. Ok, ok, je me décale juste. Ça, je te couvrirai sur le biais s'il vient.
Bah, s'il peut s'approcher, ce serait top, ouais. Après, ouais, la distance, je sais pas, on va voir. Hein. Il nous a pris en chasse. Je sais pas d'où. Après de moi. Ouais, parce que le chien, il... Gueule. J'ai entendu. D'avertissement 50 mètres. Il est en face du buisson, mais je le vois pas. Putain. Il en a gros sur la patate. À côté de moi ou pas? Je le vois pas. J'arrive. Mon Je le chien. rappelle, je le rappelle. Mon chien, il a arrêté. Chouard. Oula. Il est en colère. Je vois. J'ai un buisson, mais je le vois, là à gauche. Moi aussi, je le vois. Feu! Il est Allez, nous tombé. aussi on était en colère! Oh, cette trace de. Attends, il a pris de la sanquette. Hein. Il a pas dû. Oh, il voulait pas aller loin, il est mort. Oh, c'est pas beau. Ah, oh, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau, Francis. Putain, c'est pas mal quand même, hein! T'as vu, parce que t'as beau l'appeler Ouais, tout ça. il contournait, il contournait, hein! Putain, voilà. Vas-y, vas-y, regarde. C'est magnifique, regarde-moi cette bête. Alors, ouais, donc c'est une dérisoire. Donc tu lui as fait chair, estomac, foie, poumon gauche. Je lui ai fait poumon gauche, poumon droit. Tu fais une photo ou pas? Ouais, c'est bon, tu veux le prendre? Ouais, vas-y, je prends. C'est une femelle basique. Ah non, bah laisse tomber alors. Ok. On va en trouver des plus gros, pépé, qui te donne pas. Donc t'as vu, tu les appelles, mais en fait elles grognent pour essayer de charger, sauf que c'est nous les proies. Mais C'est moi, ce ça. que j'aurais aimé avant, c'est ce qu'on peut-être qu'on essaiera de faire, c'est que si on arrive à en refaire un comme ça, c'est-à-dire de laisser avancer beaucoup plus pour voir à quel moment il va attaquer. Ouais, parce qu'il contournait, hein. Je sais Du pas si coup. t'as vu, il contournait vers la gauche, Ah hein. mais c'est des chasseurs, hein, faut pas. Non, mec, c'est pas trop mal codé pour une fois. Ouais, franchement. Et comme disait Pépé, c'est vrai que les lions, un peu, faut qu'il les réveille aussi, hein, qu'il les secoue un petit peu, parce qu'ils font pitié quand même à côté de lui. Puis là, le fait qu'il y ait les hautes herbes et tout, il se planque dedans, c'est vraiment. T'as vu, c'est souvent dans les hautes herbes, Ouais. hein? Ouais. Ah. Il y a des traces. Non, mais. Serait bien quand même. Ou alors, c'est mon ventre. Pas, j'avais entendu un bruit bizarre, mais. Je sais pas, il faut que j'aille bouffer, lol. File le lapin, Pépé il tire partout, dépêche-toi, allez. Allez, file. Ah ouais. Bien, je... Si c'est ce genre que tu fais, que tu vas, la survie de l'espèce, mon petit, elle est morte, hein. Donc les gens devant, on a eu un cri à peu près 200 mètres, là maintenant. On doit être à peut-être 170 mètres. Un cri d'accouplement. C'était un mâle ou une femelle? Mel. Femelle. Donc on va voir si on va être pris en chasse ou pas encore. Parce qu'on le cherche, mais peut-être que lui aussi du coup. Et ça, on va peut-être bientôt le savoir, on l'espère. Mais malheureusement, pour l'instant, nous n'avons zéro trace. Ah, c'est ça qui m'embête, c'est qu'on n'a pas croisé ces traces. Ah, j'ai des traces. T'as les Je sais pas si traces? c'est lui. Ouais, j'ai des traces blanches devant. Oh, ça m'a Merde. l'air d'être des patounes. Ah ouais? Yes, j'ai des patounes. Vas-y, j'arrive. Il est vers toi. Quoi? Il descend vers toi. Ah bon? Yes. Je redescends vers toi. Ah putain, attends, il a fait demi-tour. Oh putain. Ah oui, attends, attends. Il descendait vers toi, il est reparti vers le haut. Oh putain, il y a des traces partout. Ouais. Regarde, viens sur moi là, tu vois. Dans sa montre, il y en a qui partent sur les légèrement sur la gauche. Ah, c'est une femelle. Je crois que c'est celle qui est sur la gauche, non? Est-ce que j'ai l'impression qu'il est reparti sur la gauche parce qu'il descendait en fait de la trace de droite?
Ouais, donc il va être. Faudrait qu'on trouve une trace de. Parce que là pour l'instant il est juste au trot. Hein. Moi, je vois. Il est monté là-bas. Faudrait savoir si c'est frais. Alors, faut lui donner le doigt dedans. Ouais, déjà faut en trouver. Si il a posé une pêche là-haut. Attends, parce qu'il y a des traces aussi sur ma. Ouais, mais je pense que c'est. Il a fait un détour. Je pense qu'il devrait pas être loin et le fait qu'il nous fait pas de. Ça, ils nous font pas de cris d'avertissement. Fraîche. Tu peux peut-être essayer de l'appeler, hein. J'essaye. Ouais. Je vais goûter son caca, voir ce qu'il a mangé ce matin. Fraîche. Des traces sur la droite aussi, putain, je Ouais, mais il y a suis des hautes herbes. Ouais, je vois sur la droite, ouais. Ouais, mais ça repart tout droit quand même, moi. Ça repart tout droit. Ouais. J'ai ces traces ici, Pépé. Il est bien passé par là, regarde. Tu devrais t'accroupir. Il devrait pas être. J'aime bien le voir, moi. On va le trouver, on va le trouver. Je la pèse, enfoiré. Entre 150 et 200 mètres. Ça nous dit ancienne alors qu'il vient de passer quoi. Et tu vois en plus il est au pas. On va voir si, comme dit, s'il nous reprend en chasse. Comme tout à l'heure. Sans s'il nous prend en chasse, le chien va nous le dire. Putain, Oula. à gauche, 50 mètres. T'es prêt? Vas-y quand tu veux. Vas-y, feu. Ah, tu veux que je t'appelle? Appelle-le. Non, il fuit. J'ai pas tiré de ce coup. Il a fait fuir, donc du coup, bah, j'ai tiré. J'étais en train de prendre la peau. Mais ouais, j'avais compris. En fait, quand j'ai vu qu'il aurait été, il aurait resté en mode, par exemple, agressif, j'aurais pas tiré, mais là, j'ai vu qu'il avait fuyé, j'ai fait bon. Mais t'as vu qu'il nous a encore contourné? Ah C'est ouf, hein? C'est ouf. Mais c'est juste génial. Vous il avez est en face. contourné. Ah ouais. Ah ben voilà. Putain, il est beau ce soleil là. J'avoue. Il a un bronze, c'est une femelle de insignifiant, tu veux pas le. On se fait attaquer? Non, Ah il mais a voulu non, parce t'as. qu'il l'a Ah mais trouvé, non. c'est parce qu'il l'a trouvé. Ah oui. Tu veux le garder ou pas? Non, vas-y, vas-y. De toute façon, ah, il avait une. Par contre, je l'ai pas loupé. Hein. Poumon gauche, vertèbre thoracique, poumon droit, quoi. Je l'ai asthmaté, Francis. Ben voilà. Hein. Tu vas essayer d'en trouver un autre ou. Ouais, Oh non, on va arrêter là. on verra ça la prochaine fois. Bon. Bah, du coup, qu'est-ce que tu en penses, Pépé? C'est pas mal. La map est pas mal. Mais MDR. C'est les clébards qui vous passent le bonjour, les abonnés. la map est pas mal, mais t'as pas de step si tu préfères. De steps? Vas-y, tu vas parler français parce que tu vas me gaver, tu vas prendre une Ah, balle. toi, j'aurais attendu, j'en sais rien, moi, peut-être une amélioration sur l'eau, sur l'interface. Donc, ils ont fait le strict minimum, ils ont sorti une nouvelle map. Ah Avec oui. des assets, d'arbres qu'on connaît déjà, il n'y a pas vraiment de nouveaux arbres, hormis espèce d'arbre un peu violet qui est typique de la région, qu'on n'a pas dans le secteur là, mais on en croise pas mal en altitude. Donc, ça, Ouais. c'est pas mal. Mais les buffs, j'ai bien aimé parce qu'ils sont énervés. Ah ouais, les buffs ils sont énormes. En fait, les buffs et les tigres, on s'est fait, franchement, on s'est fait niquer la gueule quand même. Hein.
Voilà, donc ça c'est sympa. Après, bah, ça reste du Z-Hunter avec bah, tous les défauts qu'on peut avoir de balistique, de distance, de. Voilà. Ça n'a pas changé. Après, la map est plutôt sympa quand même. Ouais, Et je la trouve puis, il y a quand belle. même des animaux sympas, quoi. Il y a une espèce de. S'il n'y a que les nœuds un peu plus dans le. Donc, il y a des belles bêtes quand même en termes de variété. Je pense que c'est une map à voir quand Ouais, même. clairement, ouais. Et puis, moi, c'est l'attaque de ce fameux tigre, là. C'est... Il est malin, il est Il contourne, vicieux. il contourne, il contourne. À chaque fois, il nous contourne. Ouais, mais il y a des fois, tu le sais que t'as bien vu quand tu passes dans l'herbe, là. Tu sais pas, il n'y a pas trace de lui, mais en fait, comme s'il était en poste et il attendait une proie, quoi. Vraiment, c'est bien foutu, hein. Non, non, là-dessus, ils sont pas loupés. Il faut qu'ils filent la même chose au lion, parce que je pense que le lion et Ouais, le tigre le chassent lion et à le peu près de lion, la même façon. ouais. Donc, Ouais, ce sera plus intéressant de les chasser parce que là, ils sont beaucoup en mode victime, quoi. Les lions qui s'amusent toujours à partir en courant et tout ça, il faudrait vraiment qu'ils... Bah, un tigre, c'est pareil, c'est un prédateur comme le lion, un gros en plus, quoi. Donc, c'est pas que dès qu'il nous voit, il prend la fuite, il fuit, non, il faut qu'il nous arrose la tronche. Avant, ils étaient plus violents que ça, je trouve, les lions. Ouais, j'ai souvenir au tout début, Ouais, mais ouais. Mais je crois en qu'apparemment il y en a plus, trop. Ouais, mais il y en a trop qui couinaient, je crois, en fait, par rapport à ça, qu'ils n'arrivaient pas à les chasser possible, parce qu'ils c'est se faisaient possible. éclater et du coup ils ont smurf. Enfin, ils ont. Après, la différence entre le lion et le tigre, c'est le tigre, c'est territorial, t'en croises souvent qu'un seul par territoire. Les lions, ils chassent, les lionnes, elles chassent en gros en meute, quoi. C'est-à-dire que normalement, s'ils mettent la même IA, eux, d'en avoir un tigrou qui vient t'attaquer, ils peuvent t'attaquer à 3-4, quoi, qui est plus proche de la réalité. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que les tigres, vous allez pas les trouver côte à côte. Hein. Vous allez vraiment. Faut les chercher un peu quand même. Ou alors eux vont vous trouver. Voilà. Bon, bah du coup, c'est ici qu'on se laisse. Donc je remercie Pépé. Merci à toi, Pépé. Mais de rien, Francis, hein. Là, j'ai bossé, là, en plus, hein. Putain, ouais, il m'a refait la map. Et puis écoutez, les gens, j'espère que ça vous a plu. Si c'est quand même été plus, je trouve. Et nous, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao, Pépé. Ah, ciao, figure d'angoisse. Un lapin qui fuit!